La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est qu'elle n'est pas pour même qui remet l'évangile ou même qui cherche un sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers téléspectateurs, amis de partout, chers internautes, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes très contents l'autre fois encore depuis la Victoire Radio TV République Dominicaine pour nous capables ensemble avec vous porter pour une autre vidéo, une autre programme qui est très très intéressant. Donc, il faut nous dire que le monde là c'est un conti plame. Il y a un peu de bagaille qui a passé dans le monde là que nous ne connaissons pas, un peu de personnages, un peu de cadres qui travaillent surtout dans la communauté haïtienne. République Dominicaine, Haïti et dans le monde. Donc ça fait dans moment ça nous gagne pile fierté pour nous capable accompagner de un vibrant homme de Dieu qui normalement en même temps c'est un leader tout et politiquement parlant pour capable bail coup de main avec pays nous qui traverser en crise difficile terrible que le monde connaît. Donc, nous pensons que la paix est très importante pour capable inviter les amis de près de loin, pour capable partager vidéo ça, pour capable like, pour capable abonner et surtout commenter. Donc, nous peut prendre une vieille petite pause, nous retourner tout de suite avec l'idée non. Comme nous t'annonçons, nous avons encore des retours. Donc, nous allons laisser ces invités spéciaux, nous, dans le moment ça, qui va le présenter pour le public là. Qui est ce monde lié? Donc, je pense qu'il y a un pile contentement, pile la joie pour que nous soyons capables de faire connaissance avec vibrant homme de Dieu, ça. Un homme politique, un cadre haïtien natif natal. Donc, son plaisir pour nous. Merci parce que vous acceptez, vous capables, ensemble avec nous dans la Victoire Radio TV. N'a pas demandé au présentateur par internet. Merci et bonsoir, Pasteur Raymond. Et nous saluons tous les internautes. Et c'est un plaisir pour nous avec vous dans le moment ça. Et non pas moins, relé Maurice Lapierre. Je relé Pasteur Lapierre. Et bien sûr, on peut parler les moins, Pasteur Bible gratis là. Parce que nous avons 4 ans de venir distribuer Bible dans toute l'église qui est dans le pays d'Haïti. Et nous pouvons finir et nous ne pouvons pas suspendre. Parce que faut que tout Haïtien finalement joigne une Bible, surtout nous commençons dans l'église, et pas seulement pour gagner, mais pour l'île, et puis pour faire exactement ce que bon Dieu dit la donne. Et c'est comme ça que nous croyons que bon Dieu a permis que l'autre Haïti a possible. Et bien sûr, nous serions futurs candidats à la présidence, et c'est pas mon bagage. Son bagage que nous attendons depuis en 1998, mais puis nous attendons en 2000 plusieurs fois, nous attendons en 2003. Et puis, ça a recommencé encore en 2018, le nom, après que nous commençons à faire un pile conférence sur la Bible, et puis faire distribution de Bible. Et puis, le ça, l'église, le pasteur, a demandé nous, parce que nous n'avons pas de représentants, nous avons aimé ça, si vous êtes capable de faire ça pour nous. Finalement, nous faisons un bagage qui est le Réveil d'Haïti, c'est un parti politique que lui. Okay. Réveil d'Haïti, parce que c'est, moi, je crois que depuis. 96, lorsque nous avons habité dans l'autre pays,
aux États-Unis, je crois que nous avons partagé ça avec un pasteur. Nous disons, ouais, Haïti, il faut que j'aime un réveil. Et Haïti, il faut un réveil. Pasteur a dit, ou quoi ça? Nous disons, où tu mets Makel. Okay. C'était 96. Et je dis, ah, nous entendons des nouvelles pays d'Haïti et nous saisissons pour nous voir ce qui a passé en bas. Mais nous sommes sûrs que nous avons tellement travaillé dur et nous sommes sûrs que bon Dieu a fait arriver là quand même. Mais bon Dieu n'a pas fait arriver là sans parole. Li. Parce que bon Dieu, il y a un paquet de versets qui prouvaient que sans parole, bon Dieu, et comme si nous avons pas besoin d'un rien, ou un problème, ou un tracas. Mais avec l'Esprit Saint accompagné et puis obéissant à la parole, bon Dieu a pas dit. Et finalement, réveil d'Haïti est possible. Très bien, ça passe. Et on a mesure pour capable d'y internautio, République d'Haïti, ce qui va au monde exactement. Bien sûr, maman, moi, faites lever dans le sud au Caï. Papa, moi, faites lever en nord au Cap. Et puis moi-même, moi, faites lever pour Port-au-Prince. Ça veut dire, de nord à Port-au-Prince, à sud, nous, c'est mon tout pays. Très bien, ça. Donc, on fait vraiment. En plus l'expérience, on vit en Titan, République d'Haïti, et puis on vit aux États-Unis. Alors, est-ce que là, on te pitié ou te pensé que on a telle tâche, on telle responsabilité, non seulement Haïti, mais dans la nation, dans tout le monde là? Jamais, parce que je me convertis en petit gentard, je crois que j'ai 29 ans, et je me dis, mon Dieu, mille merci, et plus que mille merci, parce que nous sommes dans un chemin de destruction. Ça veut dire, bon Dieu, sauve-nous. Et nous remercions. Et nous ne sommes jamais capables de nous remercier. C'est ça qui fait que nous balle la vie, nous. En façon que nous sommes capables de servir Jean-Claude Vler. Très bien, ça passe. Donc, il y a une belle histoire. Il y a des éléments qui sont très, très importants pour un internaute qui connaît ou qui travaille sur eux. C'est la question de la Bible. Et donc, comment histoire ça? Comment création, mouvement ça a été? Oui, c'était en 96 janvier. Côté que là, ça a été habité aux États-Unis, il était fait frais en pile, il y a un pile neige. Nous songeons que nous avons fait un deux jours jeûne, sans manger, sans boire. Et puis nous avons cherché quelques réponses dans le bon Dieu. Mais nous songeons que nous avons demandé bon Dieu s'il traduit Bible King James pour nous. Parce que c'est lui-même qui est plus ancien que toute l'autre Bible que nous avons utilisée. Okay. Et il n'y a seulement pas de jambes traduites, ni en français, ni en créole, le langage que nous avons comprendre. Mais c'est avec Bible ça qui fait parcourir l'église de Philadelphie. Et surtout, qui te fait Amérique avec une première puissance. Ça veut dire, nous disons, bon Dieu, merci que l'IFEL, et puis en 2018, nous recevons le premier conteneur. Et puis depuis ça, nous ouvrons, ça crée les conférences bibliques, okay. Et puis distribution des Bibles en Haïti. Okay. Et ça fait 4 ans, et nous comptons toucher en pile section communale, en pile commune, en pile presque tout département. Très bien. Bible, ça y est en créole ou bien français, comment? Lié en double langue, l'anglais, en français et en anglais. Très bien. Ça, c'est une vision ou bien c'est un projet que bon Dieu permet de réaliser, de mettre dans la tête. Mais économiquement parlant, on ne prend rien dans même monde. C'est gratis. C'est gratis. Nous pas jamais prendre un goût. Ok, alors, côté moyen économique, l'ensotia, c'est bail personnel. Oui. Sont touchés de la part de Dieu et puis ouverts. Oui, bon Dieu fait nous grâce et bon Dieu fait nous bénir. Et l'Église nous supporte tout projet. Wow, ok, très bien. Donc, pasteur, nous vraiment apprécier le travail dans le Seigneur, ministère, toute gloire pour bon Dieu. Nous pensons que. Et vous avez une grande satisfaction dans la question spécialement Bible, la distribution Bible. Oh bien sûr, parce que conseil de côté nous paraît, je suis capable de partager quelques photos à vous, c'est pas exceptionnel. Nous sommes tellement contents. Et l'un a viré, tout le monde a chanté, bon Dieu bénis nous, pasteur, bon Dieu bénis nous, ça c'est pas exceptionnel. Ils promettent qu'ils ont prié pour nous parce qu'on n'est pas en sécurité en Haïti. Très bien. Ils promettent qu'ils ont prié pour nous. Pour que vraiment coup ça nous capable accomplir. OK. Mais biblio ou bay moun qui converti et moun qui pas converti tout. Exactement. Ça veut dire le nous arrivons dans l'église quelque chose moun qui est converti par là tout moun jeune bible c'est si 3000 moun par exemple nous songe qu'on l'on à Saint-Michel de la Talaye. Première fois on allait à été 3000, deuxième fois on allait à 6000 moun. OK. Tout moun jeune bible quelque chose moun qui converti ou pas. De vous là ou jeune bible. Histoire République Dominicaine et Haïti avec République Dominicaine était dans le monde, yon bagay tout le monde est très clair. Donc, là nous connaissons que nous sommes qui aspirent pour capable président ou son candidat ouvert officiel.
Donc, je pense que puisque nous vivons la République dominicaine, tout internaute, tu as besoin qu'on ait un plan que vous gagnez pour la République dominicaine avec Haïti. Le problème, ça, il est vraiment très important. Comment on questionne ça? Comme son futur candidat, nous dit, bon Dieu merci pour la sagesse que le permet que nous gagnons. Ok. Car ce domaine avec Haïti a son cas qui est délicat. Yes. Très délicat. Yes. Les maps virent dans tout ce domaine, je me suis dit moi comment que ce domaine bâti. Yeah. Je me suis dit moi où dans l'air, je me suis dit moi tout un série de McDonald's, IKEA, on voit tout un série. Je me suis dit ça c'est extraordinaire. Très bien. Et moi que la Bible dit nous déjà, oui. La Bible dit nous en homme quoi dans Proverbe chapitre 29 verset 2. Les doux, lorsque les droits sont au pouvoir, le peuple se réjouit. Les doux, les droits sont au pouvoir, le peuple a une réjouissance. Okay. Mais les doux, lorsque les immoraux ont le pouvoir, le peuple s'attriste. Ça veut dire que c'est immoral. Le peuple a besoin de sacrer les tristesses. Et Haïti, c'est immoral, il a voté. Okay. Okay. Haïti, c'est immoral qui chef. Le peuple a toujours une tristesse. Okay. Il s'est passé. Ça veut dire que c'est normal, la République dominicaine avancée, et puis Haïti lui-même, il y a des contraintes, malgré le tout près. Donc, comment on comprend la situation ça? Je crois que nous sommes capables de jouer en tant que gouvernement. Parce que raison, moi, je suis trop haïtien souffri. Okay. Dans le sens que haïtien, en pile haïtien, c'est nous-mêmes qui nous en Haïti. Yeah. Avec expliqué une série de cas, côté que c'est un an seulement, il y a un visa. Yeah. Et puis tout une série de l'autre problème. Il faut que vous checkez chaque mois. Oui, et puis tout une série de. Je dis, il fait honte parfois. Il est tellement embarrassé, il est humilié. Nous tendons un peu l'histoire. Okay. Mais je connais que c'est un bagage que le bon Dieu ouvre porte là. On est capable d'une opportunité pour nous capables partager ensemble avec le gouvernement dominicain. On sait une histoire à côté que haïtien est peut-être capable de nous briquer. Très bien ça. Dans la question vocation, étant que homme de Dieu, donc c'est sûr que internaute, tu as peuple là qu'on est que souvent il y a un pile candidat qui combien même un plan d'action qui gagne de raisons qui poussent. Donc nous on plus parler de la Bible comment vocation a devenu ou bien comment appel a devenu ou rassurer que ou c'est une cadre haïtien qui a porté un changement dans le pays d'Haïti. Mais tout le monde qui dit apporter changement, il n'y a pas jamais apporté aucun changement qui est capable d'améliorer la situation du peuple. Il y a apporté changement au mal. Okay. Ça veut dire Haïti vient de sortir de mal, aller dans pire, de mal en pire. Ça veut dire pas grand rien sérieux que j'aime faire. Yes. Mais nous croyons 100%. Et nous connaissons que grand pile monde qui a fait une série d'études, ça a parlé de l'affaire mystique, ça a parlé de ceci, ça a prophétisé toute une série d'histoires. Nabdou, yon bagay la, pa jambli et makel. Haïti pap ka délivré sans Dieu. Yes. Haïti pap ka délivré sans Dieu. Et nous ka répéter le n'importe 100 fois encore. Yes. Et quel que soit moun ki pa kwè ça, ou ap pran surprise. Ok. Que ou pa dap jamb pense. Ok. Haïti pap jamb ka délivré sans Dieu. Et ça fait que nous-mêmes, nous prenons la parole de Dieu. Parce que dans Somme 138, verset 2, il explique que bon Dieu prend parole et il met au-dessus de nos paroles. Ça le dit, bon Dieu met tes paroles au-dessus de nous. Amen. Que vous apprenez les matins, midi, soir. Là, pour bon Dieu. Parole, bon Dieu, tellement d'importance, à cause que nous manquons pas l'importance, voilà, souffrance sans parole. Ok, très bien ça. Donc, c'est sûr, et au gain dans le ministère, et en pile collaborateur, et tout le monde sait, il y a appuyé que vous êtes capable candidat pour l'avenir, pour la République d'Haïti. Nous pas un problème du tout avec ça. Okay. Parce que pas un monde qui a un problème avec ça. Yes. Il y a un monde qui a un problème avec ça. Je dis à tout le monde, c'est Belial avec toute petite lui. Ça veut dire Satan avec tout le monde qui a observé lui. Très bien. Et l'un a regardé le monde là qui a développé, même République Dominicaine, on se dit ça. Et Haïti, il y a un pile cadre d'Haïtiens qui voyagent, qui connaissent comment le monde vit. Non, c'est des bâtiments, routes, etc., dans le luxe. Bon. On pensait que les États-Unis presque pas gain pauvre parce que tout le monde a une possibilité pour vivre, etc. Mais comment vous trouvez, étant que candidat, et puis grand pile haïtien qui voyage, mais pays pour qu'on touche au sentiment que humanisme, parce que normalement, tu as une prise de conscience.
Et comment le gouvernement a pris le travail pour capable permettre que y ait des structures pareilles dans l'autre pays? Nous connaissons le pays hypocrite avec nous pour l'histoire. Mais quand bien même, nous connaissons nous quatre qui ont travaillé, qui quatre travaillent, qui ouais comment mon travail à travers le monde, qui sont prévoir. Mais peuple haïtien, c'est un peuple intelligent, oui. Yes. Son peuple, si on te quitte le passé, je dis à bleu, il va pas le faire bleu mal, okay. Mais bleu d'être jaloux. C'est que, si on te quitte le passé, mais c'est parce qu'il va quitter le passé. Il a comploté et puis il a cloué. Ok. Mais une chose que nous n'avons pas porté attention. Il y a un verset dans la Bible qui dit comme ça que pauvre n'a pas opprimé pour toujours. Yes. On comme si l'oppression a une limite. Nous n'avons pas respecté la limite là. Ok. Il a pas oppressé nous jusqu'à ce que bon Dieu chavire au tête en bas. Et ça prend le fait. Très bien. Parce que il est toujours une limite. Même dans l'Ancien Testament, nous voyons une série de bagailles. Côté que bon Dieu, comme si Israël a gommé avec Judas, ça veut dire que c'est même famille. Ils ne sont pas supposés dans une série de luttes. Yeah. Ils ont une série de guerres, mais il y a une qui tellement fait crime, on voit des problèmes. Okay. Bon Dieu permet l'autre là occuper. Au lieu que pour l'autre là seulement emprisonner et puis bal manger et puis prendre soin, parce que c'est frère, il te met tué. Okay. Et puis bon Dieu dit ah, aux jambes limites là. Problème. Aux jambes limites là. Parce que Haïtiens ont été mettant que toute bagaille. Il y a un an nous qui fait un pile crime, yes. Monsieur que bon Dieu a fait nous payer. Okay. Mais pendant ce temps, il y a une portion que bon Dieu a délivré. Et nous sommes sûrs que bon Dieu a fait. Okay. Et les bon Dieu fait, quel que soit le complot que vous avez là aujourd'hui, mettre pied sous tête nous fait que nous ne pouvons pas faire un pas, pied ça a sorti. Haïti a un pile prophétie biblique sous lit, un pile les prophètes prophétisés, il y a des gens qui croient, des gens qui ne croient pas. Donc, étant que homme de Dieu qui croit dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui croit que leur pays est même bon Dieu sur l'île, il transforme pour tout le monde vivre comme ça doit être. Qui satisfaction pour le gagner dans le gouvernement, lorsqu'on voit que c'est vrai, et puis pour nous, un bel pays, même avec tout l'autre pays, haïtien, il y a confiance pour vivre la caille. Oui, c'est un miracle que bon Dieu peut le faire. C'est un miracle que bon Dieu peut le faire. Parce que ça fait que nous prônons dans tout pays, c'est nos partis politiques, le réveil d'Haïti. Nous prônons, il faut que le réveil a fait. Okay. Et le réveil n'a pas qu'à fait sans que les chrétiens n'aient pas une Bible comme Zam. Très bien. Et pendant ce temps, Bible comme Zam, non, pour qu'on ait, il faut qu'on ouvre pour l'île, et puis il faut qu'on croit ça que la donne, et il faut qu'on fasse ça, bon Dieu dit, qu'à permettre, qu'à attirer la présence de Dieu. Okay. Soit à partir de ça, bon Dieu lui-même le travail, le réveil, là, pendant ce temps, nous-mêmes, il faut que nous fassions ça. Yo. Très bien. Oui. Parti politique là, il est reconnu par l'État, bien sûr. Il a un plan d'action, il a un programme, bien entendu. Semble le plus accompagné des paroles bibliques. Est-ce que c'est comme ça? Oui, parti politique là, nous avons fait un peu l'histoire, par exemple. Nous avons fait une semence aux habitants. Okay. Ça veut dire semence, on va pouvoir planter, faire plantation. Très bien. Mais pendant ce temps, vrai travail là. Nous connaissons que ces semences qu'on aide dans toute une série de l'autre action sociale et nous connaissons que vraie histoire pour Mounio c'est ça, mais pour nous vraie histoire c'est la parole de Dieu. Très bien. Et ses croyances dans la parole et ses distributions pour continuer à faire et encourager les chrétiens parce que grand pile là dedans qui était tellement frais qui commençait à y avoir une chaleur. Ok. Commençait ouais on prend un petit casse espoir. En façon que vous êtes capable de mettre ensemble, pour faire chaîne de prière, et puis pour croire dans la parole, et puis pour suspendre, vivre n'importe comment. Okay. Parce que faut que nous commençons par repentance. Sérieux, parce que ça est super important. Okay. Parce que sans ça, on ne peut pas aller aucun côté. Très bien. Et puis, pas oublier la parole, mon Dieu. Et ça va permettre que mon Dieu vienne aider nous. Et bon Dieu, aide nous. Amen. Et bon Dieu, aide nous. Très bien, ça. Et par rapport avec la République dominicaine, nous avons fait différence déjà. Alors, il y a un pile à cas d'haïtiens à travers tout le monde, ce n'est pas seulement la République dominicaine, mais qui cause ou prévoit étant que les gens qui ont capacité à penser, qui réfléchir, ou sont psychologues quand bien même, donc qui problème ouais, qui permet, qui crée, qui fait un compatriote haïtien dans tout l'autre pays peut rentrer à Haïti. Insécurité. Insécurité. Insécurité, hein, c'est une manœuvre politique que je dis. Okay. Ça veut dire insécurité à son bagage, si vous voulez stopper un mois trop. Mm-hmm. Ou est-ce que je le grave un mois.
Parce que c'est chef qui m'était. Ok. Ou pas c'est député qui a commencé. Député, c'est chef, sénateur. Est-ce que ça c'est pour moi, pour pays, non? Ça fait mal. Wow, c'est ça qui fait que chrétien, pas supposé mettre mais on a n'importe quoi. Oui, c'est eux qui m'était. Et chef qui m'était. Oui, et son bagage que vous avez géré dans un mois. Un mois. Mais c'est méchant, ils sont criminels en pile. Ça veut dire qu'ils sont tellement méchants, ils sont bons pour eux. Mais le système, ça fait un peu le monde mourir. Dans le gouvernement, dans le secteur privé, civil, ils mourir, pauvres mourir. Donc, ils sont pètes pour payer. Non, mais il y a des choses que vous ne comprenez pas. Ils ont commencé mal là, juste pour être capable de faire un petit mouvement politique. Yo. Mais mal là, déraillé dans mes yeux, et puis ils ont perdu le contrôle. Li. Problème. Ils ont tellement perdu le contrôle. Li. Même yo même encore capable de périr la donne. OK. Parce que bon Dieu qui a permis ça. Pour même actuellement République d'Haïti, moun kap vive la donne. Presque tout bon pressentiment pour y aller dans l'autre pays. Et gen moun ki rete la donne parce que yo gen de espoir dans bon Dieu ou bien yo gen travail bien déterminé à faire. Donc quand bien même est-ce que ou examine ou bien ou constate gon pourcentage de moun malgré tout mal qu'ap fait mais yo pa ka vaincre yo même parce que yo gen bon Dieu avec yo. Non mais moun yo pa ka détruire tout bout. Yes. C'est pas bagaille qui possible. Yes. Parce que gen moun quelque chose ça ou fait ou pa ka toucher. Mm-hmm. Parce que gen moun qui vraiment protégé par Jésus. Ça veut dire ou pa ka toucher moun ça. OK. Pasteur, au bon message pour pasteur yo, ou bien secteur protestant en Haïti parce que gon vague de division parfois ouais qui créé et l'église préo pas mettre tête ensemble etc. Une organisation à au nord et au sud, est-ce qu'on bon message vous yo? Je dis hein, on dit que un peu là dehors dans la chair. Mm-hmm. Il y a pas qu'à comprendre l'œuvre de l'esprit. OK. Et ça fait que si on vient plus spirituel, les plus bons bouillots, il y a qu'à comprendre ça bon Dieu a fait. OK. Ou pas songer, tu as un apôtre qui dit Jésus-Christ comme ça que comme il va pas accepter nous pour faire ceci, on aurait les du feu sur le ciel là brûler. Jésus-Christ dit hey. Ou pas connaître ça me faire. Attention. Me sauver ou me pas tuer. Wow. Ça veut dire apôtre avec Jésus-Christ. Mm-hmm. Jésus-Christ dit comme ça que les pas venir tuer, c'est sauver, venir sauver. Okay. Ça veut dire qu'on pasteur yo yo pas comprendre un peu là de pas comprendre ça bon Dieu a fait. Mm-hmm. Ça veut dire c'est pas le hing hang, c'est pas le discussion, c'est pas le parler en pile, c'est pas on sait de l'heure pour moi ou pour Aïm, c'est okay. Pas le bon, parce que c'est pas moi qui ennemi ou c'est pas ou qui ennemi. Yeah. Ennemi nous on nous connaît déjà. Mm-hmm. Nous identifier ce cougnon là et pour nous attaquer ennemi ça. Très bien. Et pour nous défendre tête nous contre ennemi ça qui attaque nous. Très bien. Parce que nous même nous c'est frères en Christ. Mm-hmm. Ça veut dire, oh, nous ne sommes pas dans la même dénomination, mais nous sommes toujours prier pour l'autre, nous sommes toujours aimer l'autre. Yes, yes. C'est que nous sommes toujours servi l'autre. Okay. Mais pendant ce temps, le monde qui a vécu tout le temps dans la chair, il est tombé goumé entre eux. Il a écrasé ça, bon Dieu, à faire. Et il a fait peuple arrêter plus, et il a fait délivrance sans tarder. Okay. Ce qu'on a vécu plus de problèmes. Mm-hmm. Oui. Mais pendant ce temps, si par exemple, nous avons parlé de développement, ça, nous ne pas comprendre. Il écrit déjà, même dans Matthieu chapitre 6, il dit qu'on s'accueille à chercher Jésus-Christ d'abord et la droiture, et puis sort et pas un ou gain. Bon Dieu, baoul. Pas besoin qu'on ait si c'est qu'on fait avion, si c'est qu'on fait bateau, si c'est qu'on fait voiture, si c'est développement, si c'est autant, si c'est travail pour la jeunesse. Nous n'avons pas compris où c'est l'histoire. Si c'est des biens seulement aller, nous allons rater tout le bagage là. Très bien. Mais nous allons des gens qui café bien. N'a pas pour une petite pause et après ça n'a pas tourné sans penser. Sans problème. Très bien. Les amis, assez. On veut se changer. Nous sommes dans notre pays. Haïti peut changer sans moi-même. Sans nous-mêmes. On ne prend conscience. Assez. Hey.
Non, de retour, donc, pasteur, vous avez un message à la nation haïtienne? Bien sûr. Ok. Nation haïtienne, nous connaît que façon que nous souffrons. Et il y a une guerre que nous tout avons fait en 86 et que toute machine a klaxonné dans la rue, on ne sait pas contre nous, on n'a pas besoin de connaître, on est embrassé, le bol. Yes. Tellement de monde était content. Wow. Je dis comme ça que nous délivrer. Aye. Et c'est un bel jour que le c'était 86. 86. C'était exactement février, si il n'y a pas 7 février 86. Okay. C'est un bel jour que le mais une tristesse qui gagne, c'est qu'après tout ça, nous arrivons jeudi, plus que 35 ans, nous arrivons en 2022. Nous sommes toujours dans la rue. À bouler caoutchouc, à mettre blocage, et puis jeudi, après l'amour pour grand goût, avec insécurité. Après tout le temps ça, nous venons plus mal. Très bien. Cela veut dire, nous t'as souhaité que le peuple haïtien pas de mémoire coûte tant que vous dites. Vous dites que le mémoire coûte. C'est ça qui fait que nous avons paraît dans le deux derniers jours, comprenez, en le prélégué élection, pour être capable de kidnapper l'élection. Mm-hmm. Parce que le peuple a une mémoire courte. Nous avons souhaité que cette fois-ci, vous avez une mémoire longue. Yes. Pour songer misère que vous faut passer. Et vous songez depuis en 86 à nos jours, mes amis, vous êtes prêts à arriver loin. Parce que vous expliquez toute une série de routes en l'air, toute une série de bagailles qui ont fait là, dans ce domaine. Je crois qu'elle est capable de gagner un affaire de 20 à 23 ans. Mm-hmm. Et nous-mêmes, pas nous, on plus que 35 ans. Nous sommes prêts à vraiment développer. Ça veut dire, prendre conscience et en nous jurer, nous ne pouvons pas mettre mais nous dans le système ça là. Il faut que le système soit allé. Il faut que tout le système soit changé. Et c'est ça qui fait que nous disons, même dans le conseil de radio, okay, au presse, okay, nous disons qui qu'on habite chez chef, pour prendre vacances. Yes. Pas tout le monde. Okay. Parce que je dis à son autre bagaille que nous devons faire. Et je dis à son autre sagesse qui va le déployer. Mm-hmm. À ça que le peuple a habitué à les tuer, le peuple. Et nous connaissons que les graves, mais il faut que le système ne change. Très bien. Il faut que c'est un nouveau monde. Parce que Haïtien, Haïtien c'est vraiment capable. Mm-hmm. Mais pendant ce temps, il faut le cacher. Très bien. So, nous t'as souhaité que le peuple a réveillé. C'est qu'on a réveillé avec le réveil d'Haïti. Okay. Pour tout le monde réveiller. Bien. Et que pour nous capables de faire un autre bagaille. Le pays a vraiment appuyé l'autre air, le pays a besoin l'autre opportunité. Lorsqu'un président a gagné une énumération d'une série d'éléments prioritaires et pour la population et République d'Haïti, c'est qui ça, oui? Si on 3, 4, 5, 6, au cas dire. Oh, ça va vivre en Haïti ou bien ici? Haïti. Ça va vivre en Haïti. Mm-hmm. En Haïti, je dis, le premier, c'est l'insécurité. Et ça, il faut combattre. Yes. Et nous sûr que, ça, comme nous disons déjà, ce n'est pas la politique que l'île va prendre plus qu'on moi. Okay. OK. Insécurité. Et puis la vie chère. Ça, c'est parole d'espoir. Hein? Oui, la vie chère. Yes. Parce que nous mettons en quelques points dans la brochure, mm-hmm, Réveil d'Haïti que nous publions. OK. Nous croyons que nous mettons agriculture en premier. Okay. Mais je dis, c'est insécurité qui passe en premier. Okay. Insécurité, agriculture, mm-hmm, et éducation. Très bien. On prend en santé. Très bien. Avec infrastructure. Très bien. Parce que sous état pays, mm-hmm, crasé, plein trou, la boue, et puis fatra. Très bien. Et puis sous tête ça, les kidnappings. Ok. Sont les graves. Et nous souhaitons que, point ça, c'est eux-mêmes qui vont toucher en premier. Parce que, deuxième point, obligé à l'agriculture. Mm-hmm, mm-hmm. Parce que si vous n'êtes pas capable de vendre nous manger, vendre nous énormément dans l'autre pays, ça sont des qui sont graves, super graves. Mm-hmm. Et nous vivons dans un siècle qui est tellement dangereux. Yes. Nous n'êtes pas capable de vendre nous dans l'autre pays. Ça, c'est nous pour faire. Mm-hmm. Agriculture. Très bien. Et puis, troisième point, c'est éducation. Mm-hmm. En pile pays, il y a des gens hypocrites avec réalité, n'a pas vivre qu'on y a. Parce que longtemps, pays, qu'on ne font pas parler, je dis, il fait silence. Alors, en pile monde dit tout, c'est parce que Haïtiens ont des gens égoïstes, ils ne parlent pas l'autre pays en très vite de travail, en Haïti. Alors, comment gouvernement on a partagé une série de travail important, et Haïtiens n'ont peut-être pas qu'à faire pour contre et pays, et ils ont entré dans une situation côté ils ont tombé par l'autre pays.
parce qu'il y a une hypocrisie. Comment on va traiter la question ça? Nous toujours capable traiter. Par exemple, on regarde ces domaines. Ma regarde tout un série de majeures compagnies américaines là. Yes. C'est parce que yo ouais que pays en voie de développement. Mm-hmm. Yo ouais gain route et yon nan bagay k'ap fè venir les routes. Gain route et puis gain façon que gouvernement capable encadrer font série de histoire côté que yo même yon encouragé venir dépenser comme là. Yeah. Et pendant ce temps, c'est peuple qui vient bay travail. Oui, j'ai l'impression que le conseil de compagnie, le conseil de développement qu'on a fait là, on a bâillé plusieurs milliers de monde travailler en seul coup, okay. En seul mois. Okay. Ou dit ça qui passe. Parce que le travail et compagnie viennent faire développement là. Mm-hmm. Et puis soit faire infrastructure dans tout pays en seul coup, on a capable de presque un million de monde qui travaille en seul coup. Très bien. Et grand pays soit capable de faire. Okay. De façon que vos situations sont capables d'améliorer pour les jeunes corps, pour les familles. Mm-hmm. L'homme de Dieu n'a pas. Mandé bon Dieu pour toujours accompagner dans bel projet que rien pour paix pour vos nations. Et c'est sûr que le même Dieu hier est toujours Dieu éternellement. Nous avons besoin des hommes d'Akounéhémie, Daniel, David. Donc assurément, nous convaincus que c'est une là-dedans. Merci, nous disons bon Dieu merci parce que nous le monde qui dit ça. Très bien ça. Donc, est-ce que vous avez quelques compagnons de travail que vous voulez saluer, soit ici, République Dominicaine, Haïti ou bien les États-Unis? Comment ça est? Oui, nous saluer d'abord toute la famille nous, qui a vécu avec nous en Haïti. Très bien. Et puis, on remercie moi avec tout le monde. Okay. Et nous saluer Dor, qui est toujours ensemble avec nous. Okay. Et tout côté que nous allons aller. Ces garçons. Oui, nous, c'est nous, oui, le petit garçon, mais pas de ce temps. Très bien. Monsieur, nous l'avons été rencontré avec lui, et je crois que c'est un ami qui t'a référé lui. Et puis depuis, il est venu, et nous tellement attachés. Et puis depuis le ça, nous travaillons ensemble, mais nous n'est pas capable de comprendre. Disperser l'autre. So, nous disons bon Dieu merci, nous saluer le peuple haïtien, nous saluer tout un série de amis. Que nous gagnons aux États-Unis, très même bien. À Saint-Domingue. Parce que hier, nous tenons gros tonton en histoire, conférence qui t'a c'était fait olympique. Qui t'a fait olympique. C'était parti, histoire. Nous tenons pile nation là. Oui, nous tenons pile nation là. Okay. Et puis, franchement, c'était exceptionnellement extraordinaire. Mm-hmm. Mais pendant ce temps, ça nous a fait plus en Haïti. Okay. Si vraiment, tant que tu dit à la conscience haïtienne, c'est touché. Et puis, on dit non. On ne pas continuer sur ça, okay. Sur ça qu'on habitue à. Yes. On nous fait voler face, on demi-tour, et on nous refait l'histoire. Parce que le pays d'Haïti, ce n'est pas quelque chose de refait. Mm-hmm. Et là, on dit refait, éducation supposée refaite. Yes. Là, on dit refait, tout système supposé refait. Infrastructure, au moins, même au sein de building, toute bagaille nette supposée refaite. En matière de construction. Oui, toute bagaille supposée refaite. Toute bagaille nette. Parce que Haïti, grave. Et nous prend plaisir, je dis, continuer à briser, tirer ce qui était. Nous prenons le fini, oui. Alors, on va qui intéresse nous pour partager ensemble avec nous. Ou capable d'informer de ça. Parfois, l'homme parle en pile, mais parfois, tout, il dit, la fille même pas lever sans défait. Ou bien, etc. Et gagner post-politique, par exemple, nous avons monté la donne, sénateur, député, directeur général, bon, c'est des postes, il dit, nous avons. Yo te déjà vers son cop bouillot, j'avais dit là il vient la donne, yo pas bail service, c'est rentré à prendre l'argent, peuple la même a souffri. Mais vous connaissez, n'a pas peuple en conseil. Yes. Faut que peuple a suspendre pour 1000 gouttes dans le monde. Aïe. Yes. Parce que nèg yo c'est un peu qui vagabond. Nèg yo pas ni conscience ni cœur. OK. Faut prendre 1000 gouttes. Non mais mon gars c'est vite jab ça. Et puis pendant ce temps garde ça au fond. OK. L'ose parler avec eux dit tu payé. Yes, parce que c'était bon 1000 gouttes. Je dis tu payé 1000 gouttes. Pour bret à fia. Pendant ce temps toute pile 1000 gouttes ça yo, yo dit comme ça que qu'on y faut rentrer comme là. Problème. Et peuple pas comprendre. Tant que yo dit comme ça que nous pas qu'à souffrir encore, on nous dégage, nous prend petit comme ça, c'est pour nous. Mais c'est toujours mauvaise décision, une décision ça pas bon. Faut nous suspendre. Bien. Faut nous suspendre. Il y a des gens qui disent prends 1000 gouttes là, 1000 gouttes là, 1000 gouttes nous liés quand même. Mais les gens pensaient que c'était pas nous pour nous travailler pour lui. L'île pour nous retirer doctrine ça. Doctrine ça pas là longtemps. Yes. Mais pendant ce temps, c'est un série de corrupteurs qui menaient le banou. Mais pendant ce temps, l'île pour nous retirer et puis finir avec lui. Pour nous dire peuple haïtien a besoin de l'autre air.
C'est pas ça que nous besoin. Nous besoin exactement un pays nouveau. Nous besoin un pays qui suppose sous voie de développement. Bon, en façon que pour nous capables de joindre toute une série de bagages qui ont série de nécessité première. Mm-hmm. République dominicaine, haïtien qui vivent là dans yo, y a vécu un moment difficile. Même les cadres, mon à haut niveau, commerçants, ils ont senti et ça frappé au moralement ou bien sentimentalement parce que ses compatriotes ont souffri. Donc, ou y a un message pour haïtiens qui vivent ici, République dominicaine, comme réconfort. Bien sûr, parce que son peuple nous tendait souffrance. Et bon Dieu, ouais, souffrance. Yes. Et ça fait mal parce que nous, ouais, que nous pas faire rien. Et ça fait que nous disons bon travail. Okay. Parce que le travail, ça, qui nous a mené nous, juste côté pour le mener nous, pour nous capables de voir que comment que nous capables négocier une charité, un amour pour le peuple ça. Okay. Parce que le peuple a souffri. Et il y a parlé de visa seulement qui durait un an et puis après qui vient de humiliation. Yeah. Il y a qu'on a parlé côté que vous mettez au dehors, on prend une gain, que nous connaissons vraiment, vous mettez nos machines, là, il y a quoi de bouquet. Yeah. Finalement, nous connaissons une série de tracas, mais il est vraiment trop. Mais pendant ce temps, il y a une bagaille que moi, ouais, surtout dans le fait que nous avons participé hier, là. Nous, avec Dominique, comme si ce qui était là, il est tellement content et puis prenons à bras ouverts. Okay. Et nous voyons que je t'ai aimé, c'est pas tout le monde, par exemple, même j'ai pas tout haïtien qui kidnappait. C'est bon haïtien. Même j'ai tout, il y a quelques dominicains qui parlent haïtien, mais c'est pas tout dominicain. Non, senti poussière. Mais ça que nous rencontrons, il y a tellement aimé haïtien. Yes. Et il y a un seul témoignage exceptionnel. Et une chose qui fait me saisir, c'est parce qu'en pile là, où est que gagné qui même sorti aux États-Unis, qui pas être blanc. Et ou saisi pour la signer, c'est en Haïti que le sorti. Okay. Ou saisi pour papa ou maman ou te fait en Haïti. Je dis à eux même, c'est dominicain. Yeah. Mais si vous n'avez pas de bon témoignage, vous même penser ça. Vous connaissez ça. Oui, parce que racine en pile là-dedans, c'est Haïti. So, Haïti, avec Saint-Domingue, son pays qui était supposé vivre, si vous n'avez pas vivre, vous frère, vous frère, vous cousin, vous cousin. Parce que vous êtes supposé condamné pour vivre ensemble. Et il faut que vous respecté, vous prenez les limites. Et puis pour toujours capable continuer à partager l'amour l'un pour l'autre. Très bien ça. La Victoire Radio TV République Dominicaine, l'Église de Dieu de la Victoire, nous remercions pour le sacrifice au consenti, pour accepter visiter nous, parler avec nous, prêcher dans l'Église nous. Il faut nous donner tout cœur, donc nous vraiment touchés par la grâce de Dieu. Donc, nous espérons que ce n'est pas une dernière fois et nous capable de faire toujours visite en République dominicaine et la Victoire Radio TV toujours à votre disposition. Nous espérons que vous apportez salutations pour famille, pour compagnons de travail, etc. Nous souhaitons un bon retour, nous souhaitons un bon travail, bon succès dans le Seigneur parce qu'avec Jésus, tout va bien. Donc, dis internautes un dernier mot dans le programme pour nous mettre fin. Il faut nous pas oublier saluer Pasteur Fortuné. Très bien. Et Pasteur Jacob. Bien. Eux-mêmes qui mènent nous là. Et internet, nous connaissons que je dis à Paris Espoir au pays d'Haïti. Mais donnez ça. Depuis, il y a mon Dieu, il y a espoir. Amen. Et nous-mêmes, qui vivons, c'est nous-mêmes. Depuis, il y a mon Dieu, il y a espoir. Pourquoi ça fait mal? Lors obtenant des monnaies, qui explique un peu l'histoire, et puis ils disent pas mettre Jésus là-dedans, ils disent pas mettre bon Dieu là-dedans. Ça plus grave. Il y a même quand on sait des mots comme pas répéter. Et ce qu'on est, ça fait mal. Mais marquez ça. Nous-mêmes, Pasteur Lapierre, mais ça que nous dit aujourd'hui, il y aurait les noms, Pasteur Bible gratis là, parce que nous distribuons Bible dans toute l'église. Attendez ça. Pas jamais oublier bon monde qui dit ça. Sans bon Dieu. Sans Jésus-Christ, Haïti pas besoin de ça le besoin. Haïti pas besoin de ça le besoin. Et c'est mon Dieu seulement qui a fait, et c'est lui qui a fait. Et cette fois-ci, Toussaint Louverture t'a aidé nous dans la liberté. Et il t'a dit, peuple, lis-le pour nous mettre à genoux, pour nous remercier, mon Dieu, pour nos libertés. Mais pendant ce temps, mon oublié histoire ça y est effacé. Okay.
Et l'histoire, ça, c'est lui-même qui a fait, bon Dieu, songer. Gonle, peuple haïtien, te remercie pour liberté. Mais là, nous venons arriver sur Jacques Dessalines, que nous considérons comme un héros. Nous nous disons que les chrétiens n'étaient pas la donne, parce que c'est vous qui avez la liberté. Et donnez ça, sans dire à son mensonge, il y a un pays qui prend liberté sans Dieu. Et même quand le conseil de pays me connaît qu'on pourrait aller là qui peut servir Dieu, yeah, qui a liberté, mais nous expliquons tout ce dans l'autre condition. Mais Haïti, quand elle arrive là, même genre Israël, quand elle est arrivée en Égypte, il y a des gens qui te mettent dehors. L'idée esclave pharaon à jamais. Bon Dieu mette dehors, comme ça que bon Dieu a mis Haïti dehors. Haïtiens, on nous encourage pour nous faire réveil là. Parce que le réveil d'Haïti, c'est ce qui permet de nous jouer toutes sortes de développement que nous avons besoin. Et nous apprécions que vous ayez passé quelques moments, tendez-nous. Et nous disons bon Dieu merci. Nous continuons à prier pour le pays d'Haïti. Et merci, Pasteur Raymond. Bye bye, à la prochaine. Bye c'est bye, un plaisir. À la prochaine. Vous saluez tout le temps. Bye bye. Changer, nous venons dans notre pays, Haïti va changer sans moi-même, sans nous-mêmes, on prend conscience.